Je suis le gardien, pas moi. Si ça se trouve. Ah. Je comprends votre surprise, mais s'il vous plaît, considérez-moi comme une personne normale. Sinon, ça sortira pas. Voilà, je suis tombée en panne de GPS. Je sais pas ce qui lui a pris. Il m'a menée sur un chemin de terre dans lequel je me suis embourbée. Ça fait 2 heures que je marche en direction de nulle part sans rencontrer un qui vive. En plus de ça, mon téléphone ne capte pas. Il n'y a pas de raison. Il faut que j'appelle à Paris pour qu'on vienne me chercher. Vous comprenez? Oh, ça y est, ça me reprend. Ah, j'ai des palpitations. Ah, j'étouffe. Oh. Excusez-moi, je dormais. Vous êtes tombé en panne de quoi? De GPS. Ah ben oui, c'est vrai, vous pouvez pas comprendre. GPS, ce sont des initiales. Ça veut dire General Position Service. Ou Ground Positioning System, le guidage par satellite, quoi. C'est possible. Enfin, c'est une petite boîte qu'on met dans la voiture. Ça vous dit où vous êtes et où vous devez aller. C'est très pratique. Ouais, c'est très pratique quand ça marche. Oh, je sais pas ce qui lui a pris, il a complètement pété les plombs. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas si vous entendez un buisson vous dire « Vous pouvez tourner à gauche, vous pouvez tourner à gauche, vous pouvez tourner à gauche. » C'est mon GPS, je l'ai jeté. Bon, ça capte pas, il n'y a pas de réseau, hein. Vous n'avez qu'à utiliser vos antennes. Pardon? Vous avez de belles antennes sur la tête, alors si vous êtes perdu, vous n'avez qu'à les utiliser. Hein? Oh putain! J'ai oublié de les enlever. Ah non, mais ça, ce sont les restes d'une soirée ruche. Complètement désastreuse d'ailleurs. Ma cousine a appris que je passais dans le coin. Alors elle a voulu organiser une soirée en mon honneur et comme j'aime le miel. Ah, vous aimez le miel, c'est bien, c'est bon le miel. Oh, je me suis ennuyée à mourir jusqu'à ce que le cocktail pollen fasse son effet et que je ne me souvienne plus de rien. J'ai dormi avec. J'ai bu mon café au bar avec. J'ai même demandé mon chemin avec des antennes. Et c'est pour ça qu'on vous a indiqué le chemin de mes ruches. Vous? Mes ruches. Je suis apiculteur. Je m'appelle Eric. Oh putain! Ah bah écoutez, il y a Pierre comme prénom, hein. Oh ben non, pas ça, non. Oh non, mais je suis complètement ridicule depuis ce matin. Pourtant, je me suis regardée dans le miroir avant de partir, hein. Pour vous dire si j'étais fraîche. Dites, au fait, vous avez un téléphone? Un portable? Bien oui, un portable, oui. Je ne vais pas vous demander de tirer un câble, hein? Non. Et chez vous, je peux téléphoner chez vous? Vous habitez dans le coin? J'habite à environ une heure de marche d'ici, mais... Je puis vous rassurer, il y a longtemps que je n'ai plus de téléphone à la maison. Me voilà bien rassuré, oui. J'imagine qu'Internet... Vous imaginez bien. Eh bien alors, je sais pas moi. Un fax? Un télégraphe? Un tam-tam? Une abeille pour que je puisse lancer une SOS. Non, mais il y a une cabine téléphonique. Oh yes! Une cabine! Elle est où votre cabine? À environ 2 heures de marche par là-bas. Ah, 2 heures de marche? Vous avez une voiture? Oui. Ça fait longtemps qu'elle ne marche plus. Mais il y a le bus. Quel bus? Nous sommes ici à un abribus. Un abribus de campagne qui n'abrite plus rien, et c'est ici qu'on s'assoit pour attendre le bus. Ah oui, bus. Bon, bah alors. Là pour le. Ça dépend. Comment ça dépend? Il n'y a pas d'horaire? Ah non, ça, il n'y a pas d'horaire ici, hein. Je vais vous faire rire. Essayez pour voir.
Ça dépend de la rivière. Lorsque la rivière est en crue, le bus ne passe plus. Et avec qui est tombé cette nuit, je pense qu'il ne passera pas. Oui, j'ai bien vu ce qui était tombé, oui. J'étais même sous un rocher. Et avec mes antennes, vous rendez compte, j'aurais pu choper la foudre. Ne vous inquiétez pas, la bus est arrêtée. Je pense que d'ici une heure ou deux... Attendez là. Vous êtes en train de me dire qu'on est bloqué ici à attendre un bus qui passera peut-être dans quelques heures? Mais comment vous faites, vous, s'il y a urgence? J'attends la décrue, assis, à l'abri du bus. Oh mon Dieu! Oh! Et mes palpitations qui reprennent! Et le SAMU ne peut pas venir ici, hein, c'est ça? Oh mon Dieu, je vais mourir ici! Personne ne va savoir! Mais vous êtes en parfaite santé! Ben justement, c'est quand ça s'atteint le moins que... clac! Clac! Bon, dites-moi, elle est où, votre voiture? Par là! Mais non, enfin, j'arrive de là. J'ai par là. Oh, mais ça fait 2 heures que je marche. J'ai fini par me perdre, moi. Merci, mais c'est pas le propos. Vous savez qui je suis? Non, parce que j'ai l'impression que vous ne m'avez pas beaucoup reconnue. Vous ne savez pas qui je suis? Vous êtes recherchée? Oh, ben j'aimerais bien. Ça, c'est bizarre. Vous êtes connue? Pas partout, apparemment. Ah, vous êtes chanteuse? Non, mais je suis à peu près tout le reste. Allez, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Isabelle Etienne, comédienne, metteuse en scène, réalisatrice, productrice, enfin tout quoi. Ah, moi je m'appelle Eric, je suis apiculteur, je connais personne, j'ai même pas la télé. Enfin si, j'ai la télé mais j'ai pas la télé. Moi j'en ai deux, je vais peut-être vous en passer une. Moi de toute façon, les gens connus, je ne les connais pas. N'allez pas au cinéma? Non, jamais. Mais j'ai quand même un lecteur de DVD à la maison. Oh, mais là, vous me connaissez forcément. J'ai fait 140 films, vous avez bien dû avoir un sur le tas. Tiens, la merdeuse, c'est moi! Ah oui! Vous l'avez vu? Non, non, non. Mais si, il y a cette réplique culte qui a fait le tour du monde. John, je ne peux pas te le dire avant, mais ça fait 4 ans que je suis enceinte. Non, ça me dit rien. Monsieur, ça s'appelait la morue! Mais non, non, non! Bah ouais, forcément, vous aimez les films plus. Enfin, moi. Tiens, la bonne, la brute et la truande! C'était moi! J'étais les trois! Ça veut dire rien, non? Mais si, concentrez-vous! À un moment donné, je suis sur un pont, je marche, je glisse, je tombe et je meurs! Oh merde! Non, de fou! Je meurs pas vraiment, c'est le cinéma! Ah, mais tant mieux! Ça se termine sur un lit d'hôpital. Je suis plâtrée de la tête aux pieds. Sauf la bouche et les yeux pour qu'on me reconnaisse. Et je dis cette phrase magnifique. Ça ira mieux demain. Et là, générique de fin. Ça me rappelle quelque chose. Là, voilà. Oui. Un trait. Alors, faites-le un. Ok. Vous allez arriver sur ma messagerie. Ok. Après, appuyez sur le bouton en haut à gauche. Celui-là? Mais non, le bouton en haut à gauche. Celui-là? Mais vous voyez, non, c'est l'appareil photo, ça! Ça, c'est l'appareil photo? Oui! Qu'est-ce que vous faites? Non, mais ça va pas! Ça vous fera un souvenir de la campagne, bon. Eric! On a le droit de rigoler un peu, non? Bon, alors. Allez. Ok, on a bien rigolé. C'était super. Ok, je suis prêt. Et quand vous me dites, vous n'avez pas écouté, vous appuyez sur dièse. Ok. Ok? Allez, ampli. Bon! Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez 35. Oh la vache! C'est tout! Nouveau message reçu aujourd'hui à 11h44. Rosa, t'es où là? J'ai tout le temps, on est dans le rush. Je te rappelle que tu avais une concorde à 15h. Si on ne tient pas la deadline, on sera trop short. Fais-moi pipi, bisous, bisous. Nouveau message reçu aujourd'hui à 11h48. Bonjour! Alors, je suis... Enfin, on s'est vu une fois, je suis la
Parce qu'en fait, j'écris des chansons et je me demandais. On s'en fout, dièse. Nouveau message reçu aujourd'hui à 11h53. C'est moi. Donc, t'as vu dans ma jolie boîte, tu savais mettre Timothy sur la boîte à lire. Rappelle-moi. Yes. Nouveau message reçu aujourd'hui à 11h55. Coucou, c'est maman. Pense à prendre un pull si tu pars à la campagne. Il va faire froid. J'ai entendu à la télévision et puis je voulais te dire que... Bon, allez, Diane. Nouveau message reçu aujourd'hui à 11h58. Hello, Isabelle. John speaking. Would you please call me back? I have a problem with your coffee shop. Call me soon. Bye-bye. Coucou, faites-le trois. J'aimerais écouter celui-là, s'il vous plaît. Elle dit qu'il y avait un problème, c'est ça? Moi, j'ai compris tout le choix. Eh ben, voici, il y a un problème. Faites-le trois, s'il vous plaît. Vous parlez l'anglais? Qui ça, moi? Bah oui, vous qui dans le mulet. Je vous ai dit, c'est pas le mulet, c'est le mulot. Bon, Eric, s'il vous plaît, est-ce que vous parlez l'anglais? Mais évidemment que je parle anglais, je suis à l'école comme tout le monde. Je sais compter jusqu'à 3. Bon, alors écoutez bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, je rentre. Oui, 3. Go. Hello, Isabelle, John speaking. Would you please call me back? I have a problem with your coffee shop. Call me soon, bye-bye. Il a dit qu'il y avait un problème, c'est ça? Don Quichotte, on fait. Ah, mais c'est ça, il y a un problème. Oh putain, John Westwood me lâche. Il me lâche. John Westwood me lâche, c'est une catastrophe. Il a dit qu'il y avait un problème. De rien. Quoi? Je viens d'ouvrir la tête pendant plus de 3 minutes. Vous me dites même pas merci. Alors moi, je vous dis de rien. Ah, mais si, mais bien sûr, merci. Non, mais c'est une catastrophe. John Westwood me lâche. Et s'il me lâche, la presse me lâche, le public, la banque, je vais me retrouver toute seule, c'est une catastrophe! Vous voulez que je repasse un petit peu l'antenne, c'est ça, hein? Oui, c'est super important. Allez, ok. Et même après, si vous voulez, je peux vous faire votre GPS, parce que moi, les chemins de campagne, je le connais bien mieux que lui. Hein. On va se contenter de l'antenne. Ok. Merci beaucoup. Dites-moi, est-ce que vous voulez un sucre? Oui, s'il vous plaît. Yes! J'adore le sucre. Quand j'étais petit, je faisais Goldorak, vous savez, le robot. Oui, le robot qui est comme ça. Est-ce que vous voulez un peu de lait? Oui. Lala. Merci. Dommage, j'ai oublié mon chéquier. Vous êtes un extraterrestre. Mais vous aussi, vous êtes une extraterrestre. Mais bon, pourquoi? Si vous étiez vu arriver tout à l'heure, là, avec vos antennes, avec des boules à facettes, et puis vos talons hauts de parisienne, et puis avec les talons qui scintillent comme les boules, c'est... Elles sont belles, mais elles sont neuves.
Et si vous saviez comme j'ai mal aux pieds avec. Ah, écoutez, moi je peux vous prêter mes bottes de tapisseur, hein. Oh, merci, c'est super. Je l'ai mis quand le terrain est boueux, et là aujourd'hui ça va, hein. Bon, c'est du 43, ça risque d'être un peu grand. Bon. Allez-y, mettez-le. Non, mais ça ira. Je... Allez-y, où est-ce qu'elle est? C'est la campagne ici. Pas de mulot? Vous n'avez pas de mulet, c'est pas possible. Ah, je les ai vidés ce matin. Voilà. Oh, elles vont bien. Hein. Ouais. Allez-y, marchez un peu pour moi. Non, mais ça y est. Allez-y, marchez. Voilà. Me voilà un apiculteur. Non, on dit apicultrice. Ouh. Allez-y. Ça va, je suis pas trop lourde. Passez donc une plume. Ben oui, forcément. Ah là là, moi vous savez, je suis... Ah, c'est pas possible. Non, je vais bloquer la ligne, qu'est-ce que je fais? Ben vous avez qu'à décrocher et lui demander de raccrocher tout de suite, comme ça libère. Ouais, c'est bon, vous avez raison. Allô? Oui, quoi? Mais je sais pas moi où elle est. Mais quelle chemise! Eh ben au sale alors! Non mais attends, c'est pas de ma faute à moi si. Non. Et à moi, tu me demandes pas où je suis? Non mais attends, t'es gonflé! Allô? Allô? Oh! Allô? Il a raccroché. C'est une star lui aussi! Genre. Et elle a beaucoup plus intéressé par sa chemise que par vous, hein. C'est vrai, pas faux. C'est ma chose, il rappelle. Ah. Oh là là, j'ai peur. Je sais pas quoi lui dire. Bon, écoutez, je m'appelle le parleur, hein. D'accord? Ouais, ok. Vous allez m'aider, hein. Allez, j'y vais. Allô, John? It is I, do you do? Yeah, Isabelle. I do you do? I'm fine. But you know, I have a little fucking problem with your talking stuff in German. Repeat more slowly, please. I can't do that movie. What? Oh, fuck. I can't play in your talking shop. Oh, no. It's not possible. I can't annulate. Cancel. I can cancel. It is for money or much more money? Fucking money. It is for what, alors? Fucking story. You don't like Don Quixote? I don't like your Don Quixote. You don't like my Don Quixote? I mean, this is a fucking story. I don't want to play fucking story at all. I have to go now. Yes, bien sûr. Bye. Bye-bye! Fucking do you do it? Ah, allez-y, posez-moi! Vous parlez vraiment bien anglais, hein? Ça fait honte! Ah, mais je vous pose volontiers. Hé, hey, mettez vos lunettes, c'est le début de l'éclipse. Wow! On se croirait dans un tâche les Incas. Oh, pas facile d'admettre que le soleil se couche en plein jour. Vous voyez, ça descend à une vitesse. C'est beau. Wow. Écoutez, la nature est en train de se taire. Vous savez quoi, j'ai envie de faire pareil. Alors, surtout, n'hésitez pas. Je ne vous connais pas et... Et je ne peux pas vous dire toute la vérité. Je ne peux pas vous dire que j'ai déjà peur de vous perdre et que sans vous, plus rien n'a d'importance, non. Je ne peux pas vous dire que sans vous, je suis perdue, non. Embrassez-moi. Maintenant. Oui, maintenant. À la campagne, il y a toujours un truc à faire.
spectacle L'Abribus de Philippe Elnon cet après-midi avec vous. Je vous demande d'applaudir avec nous notre metteur en scène qui est aussi régisseur aujourd'hui, Monsieur Pierre Blochu. Tous ensemble, l'équipe de Festia qui parcourt la région PACA pour sélectionner, on est très content d'avoir fait partie de cette sélection, les gens qu'on connaît de vue au fil des années, les régisseurs de la salle qui nous ont fait un accueil super, la troupe qui va jouer après aussi, on s'est bien partagé le plateau, il n'y a eu aucun problème, on espère que ce festival, cette sélection, je crois, va se terminer dans de bonnes augures. On vous dit merci, bonne santé, bonne vie, à bientôt, au revoir.